things we don't talk about. Rather do without and just hold the smile. Falling in and out of love, ashamed and proud of, together all the while. La dignité d'un individu est fondamentale pour sa vie en société. Comprenons par dignité le respect que l'on doit à quelqu'un ou quelque chose, son honneur. Car rien ne vaut, mais alors, rien ne vaut qu'on humilie un être humain, encore moins une femme. Mais alors, rien, rien, rien du tout. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'elle ait fait, rien ne vaut que vous humiliez un homme que vous appeliez, même si vous vous appelez Samuel et ton fils. Rien. Chacun de nous a un parent, une maman, un papa. Et aucun père, aucune maman n'aimerait voir les photos de sa fille nue sur les réseaux sociaux. Dans la précédente enquête, notre objectif était de présenter les dessous de la crise entre Samuel Eto'o et Nathalie Nkoua, qui défrait la chronique. Cette dernière s'est en effet retrouvée interpellée par la police sur plainte de Samuel Eto'o, celui-ci lui reprochant de lui avoir escroqué de l'argent destiné à la fondation Samuel Eto'o Fils. Mais quand on sait que Samuel Eto'o exige également que la dame lui remette tout, même les strings, on se demande si cela fait aussi partie du patrimoine de la fondation. Madame Nkoua Nathalie a-t-elle un poste officiel dans la fondation Samuel Eto'o Fils? La réponse est claire, c'est non. Madame Nkoua Nathalie n'a aucun poste dans la fondation Samuel Eto'o. Voici le bureau officiel de la fondation de Samuel Eto'o Fils. On a entendu les pires horreurs sur cette jeune fille. Normal, Samuel Eto'o Fils est puissant, il a beaucoup d'argent et il a beaucoup de fans et beaucoup d'amis qu'il peut mobiliser. Voici la suite de notre enquête. Nous avons récupéré toutes les photos de nus de Madame Nathalie Nkoua postées sur les réseaux sociaux. Notre première démarche a été d'évaluer la pixelisation afin d'identifier le type d'appareil qui a filmé ces photos, ou si ces photos sont tirées d'une vidéo. Nous avons ensuite identifié des appareils en possession de Samuel Eto'o par notre source qui lui était proche. Et si les données caractéristiques et techniques correspondent à l'un de ces appareils, alors c'est lui l'auteur du crime. Nous avons pour objectif final de savoir non seulement qui a filmé ces photos, ce qui est évident, et surtout, qui les a publiées. Qui a publié ces photos? C'est l'objectif de notre enquête. Nous y reviendrons plus tard. Selon Nathalie Nkoua, la victime, ces photos ont été prises par Samuel Eto'o. Et dans l'interview qui va suivre, vous allez l'écouter dire ces quatre vérités. La fondation privée Samuel Eto'o Fils a été constituée le 17 mars 2006 dans l'intention de réunir toutes les activités réalisées depuis des années dans les différentes villes du Cameroun par Samuel Eto'o et son groupe d'amis. Voici l'organigramme de la fondation de M. Samuel Eto'o Fils, pour qui nous avons pourtant beaucoup de respect. La fondation est régie par un mécénat formé de 3 membres. Le président de la fondation Samuel Eto'o, c'est M. Samuel Eto'o Fils. Le vice-président, c'est Alejandro Echevarria. Le secrétaire général, le trésorier, secrétaire général et trésorier, Albert Escoda. Directrice générale, Hermine Isson. Directeur du Fonds des Sports, la Fondation Sportive de Samuel Eto'o, Joseph Sioué Diallo. Responsable du département de communication, Alma Marin. Comme vous pouvez le constater, Madame Hélène Nathalie Nkoua n'a rien là-dedans. Elle n'est rien. Elle n'est rien du tout. Elle ignore même où se trouve le siège de la dite fondation. Cet organigramme de la fondation de Samuel Eto'o Fils, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la fondation de Samuel Eto'o, www.fondationsamueleto'o.org. Arrivé au pays ce mercredi 25 juin avec une partie de la délégation camerounaise, après une coupe du monde assez calamiteuse, le capitaine des Lions Indomptables a répondu à Hélène Nathalie Nkoua qui l'accuse de l'avoir escroqué. Voici la réplique cinglante de Samuel Eto'o au sujet des accusations de la jeune fille. Il dit, je cite, « Ce que j'ai fait et offert à celle qui tente de salir mon nom aujourd'hui dépasse largement 200 millions de francs CFA que je lui réclame aujourd'hui. Nous nous sommes entendus, elle et moi, pour ouvrir une fondation Samuel Eto'o avec une boutique où seraient vendus à mes fans à prix abattu mes produits originaux. Je lui envoie fréquemment d'importantes sommes pour ce projet, mais quand j'ai remarqué que rien de ce qui
ait prévu n'ait fait et que j'ai commencé par lui réclamer les comptes, elle a voulu m'embrouiller par un adieu. Je lui ai dit que le problème ne se posait pas, mais de me faire d'abord le point de ce qui était prévu pour la fondation et une montre qu'elle avait prise chez moi de 13 500 000 francs CFA. Et voilà déjà celle que j'ai enrichie, de même que sa famille commence une campagne de dénigrement sur ma personne. Cette somme d'argent est une miette pour moi. Je préfère l'offrir à une fondation ou offrir des galaxies à mes fans que de me faire arnaquer par une femme ingrate. Je lis tout sur internet, mais je sais que mes fans, ceux qui connaissent Samuel Eto'o, non pas le joueur, mais l'homme que je suis, feront la part des choses. J'ai constitué le dossier que mes avocats suivent de près. Contrairement à ce qui se dit, je ne contrôle pas l'appareil judiciaire de mon pays et je lui fais entièrement confiance. Fin de citation, c'est ce que Samuel Eto'o a confié à ses proches. On a beaucoup écouté Samuel Eto'o ces derniers jours. Aujourd'hui alors, je vous propose d'écouter cette fille que personne ne veut écouter, dont les photos de nu se sont retrouvées sur Internet. L'interview a été réalisée ce 1er juillet 2013. A tout à l'heure. Oya mama o, getcha kele o, daddy mi o, the time don't come o, cause I'm flying high, his name is all over my heart, cause no be lie, nothing can tear us apart, nothing to you. Mesdames et messieurs, moi je m'appelle Sismondi Barlev Bidjoka, je suis le porte-parole du Rassemblement de la Jeunesse Camerounaise. Mais au-delà, ma profession, c'est journaliste. En tant que journaliste, j'ai le devoir de restituer la vérité. En tant que porte-parole de la jeunesse, j'ai le devoir d'arbitrer et d'aider à résoudre les problèmes de la jeunesse. Vous avez remarqué que dans la précédente enquête, je me suis montré impartial dans la mesure de ce qui est humainement possible. Aujourd'hui, je suis venu vous proposer d'écouter cette jeune fille que personne ne veut écouter, parce que la cabale, si aujourd'hui je reviens là-dessus, c'est parce que la cabale contre cet enfant prend des proportions effrayantes et inquiétantes. Elle est menacée tous les jours et on se demande bien pourquoi. Mon devoir étant de protéger la jeunesse, toute la jeunesse, y compris Samuel Eto'o, il est de mon devoir de vous proposer la vérité et toute la vérité. Voilà pourquoi, avant de vous faire écouter le témoignage de Mademoiselle Nathalie Nkoa, permettez-moi de vous faire écouter des conversations téléphoniques. Chacun de vous a son intime conviction et chacun de vous est son propre juge. Vous trancherez comme vous voulez. Mais écoutez ceci, la vie de la jeune fille est rythmée de menaces et elle n'en peut plus. Il s'agit de conversations avec un ami de Samuel Eto'o, fils de Monsieur Kaji. Écoutez ceci avant que je vous propose le témoignage de Mademoiselle Hélène Koa. On y va. Oui. Attends un peu, Kadi, j'essaie de me déplacer. En tout cas, il a fini avec moi. Il m'a dit, ça fait plus de 20 minutes, il m'a dit que ok. Attends, je vais l'appeler. Je crois qu'il a appelé. Non, il n'a pas encore appelé. Tu as dit que tu ne veux plus de Samuel. Samuel a dit qu'il a compris. Que tu ne veux plus de lui et ça ne lui dérange pas. Et il croit que tu vas être à l'aise avec ton nouveau gars. Mais tu as sorti les mots dans ta bouche que j'ai compris en fait que ce qu'il disait était vrai. Que tu protéges ce gars. C'est maintenant que la vérité. Ça n'a rien à voir. Non, tu protèges ce gars maintenant. Mais si tu veux, tu viens t'asseoir à côté de moi, un Kadi. Fallait ne me dire rien comparé à la pression. Mais c'est pas te dire que si je refuse de livrer les photos de Fally à Samuel, c'est parce que. Il est plus important que Samuel. Donc il faut que tu ne livres pas la suite. C'est pas grave.
C'est pas grave. À mon niveau, moi, j'ai compris. Mais tu ne diras pas que je n'avais jamais parlé avec toi. Il n'y a pas de problème. Tu ne diras pas que je n'avais jamais parlé avec toi. Il faut toucher tes contacts. Nous, on te dit que non, ils sont là. Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la vie, c'est que... Je n'appelle personne, je n'ai aucun contact, je n'ai que Dieu, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai... Je n'ai personne pour lutter contre vous, ne vous détrompez pas, je n'ai personne pour lutter contre Samuel, non. Même si tu as quelqu'un pour lutter contre lui, c'est pas un problème. Oui. Je ne voulais pas seulement que tu sois surprise, parce que je t'avais dit. C'est moi qui ai pris mon temps de venir te voir. Nathalie, voilà la situation. Nathalie, il y a un problème qui est comme celui-ci. Nathalie, il y a un problème comme celui-ci. Tadji, j'ai une seule question Nathalie, à te poser. Le grand frère, c'est lui, donc comme tu ne veux plus de lui, lui, il a un problème. C'est lui, c'est son agent qui a acheté. Tu as tout de lui, c'est son agent qui a tout fait. Compte tout, tu déposes. Qui me laisse tranquille, je ne compte rien, dépose rien, qui me laisse tranquille. S'il veut venir prendre, il vient prendre. Je n'ai pas empêché qu'il vienne prendre ces choses. S'il veut venir prendre, il vient prendre. Je ne compte pas, je n'ai pas le temps à perdre à compter les choses de Samuel. On n'est pas dans la négociation. Samuel veut récupérer ces choses, qu'il les récupère, il n'y a pas de problème. Je suis fatigué du chantage à vie. Le premier chantage, c'est que donne les photos de Fali. Si tu n'as pas les photos de Fali, je vais te faire arrêter. Le procureur Bifuna, c'est mon ami, t'es mon ami, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai personne, hein. Je n'ai personne. Ma mère est pauvre. Elle ne connaît même pas le nom d'un procureur pour me sauver d'une situation. Mes frères sont encore tout petits, personne ne peut se battre pour moi. Donc je n'ai que moi seul. Je n'ai personne. Samuel, j'ai fait le choix de Samuel parce que je tiens. Non, je vais aussi m'exprimer, Kadji. Tu parles, je te respecte beaucoup, j'entends ce que tu dis. Nathalie, moi j'ai même terminé. Pour ce dossier, pardon, laissons. J'ai terminé. Laissons. Toi, tu attends. Attends, c'est mort. Il n'y a pas de problème. Pour moi, ok, il n'y a pas de problème. Je ne peux plus t'avoir trop bavardé là, je ne peux plus. Ok. Moi, je t'ai amené dans mon sens et tu as dit que non, pas ton sens. Non, tu ne peux pas me demander d'aller ouvrir mes fesses pour que quelqu'un, je filme quelqu'un dedans et puis donner à Samuel. Quand tu ouvrais tes fesses avant, non, ne me demandez pas de faire ça. Non, je ne peux pas. Tu ne baisais pas le gars avant. Même si j'ai fait avant, voilà le problème. Même si j'ai fait avant, voilà le problème. Même si j'ai fait avant, voilà le problème. Lui, il a fait. Il a fait que je comptais pour lui. Quand lui aussi il a fait, quand il a couché avec Christelle, quand il a couché avec toutes les filles avec qui il a couché là, il a fait quoi après pour me montrer que je comptais pour lui? Oui, Samuel est plus fort que moi, on en finit. Qui m'a récupéré? Je ne suis pas accroché à ce matériel. Tu as dit que tu ne veux plus de Samuel. Samuel a dit qu'il a compris. Que tu ne veux plus de lui et ça ne lui dérange pas. Et il croit que tu vas être à l'aise avec ton nouveau gars. Mais... Il m'a transmis le message. Je viens de voir. Il m'a dit transmis le message et ne fais pas de plan. Je ne suis pas en train de jouer avec cette fille. Dis-lui mon pour mon que si dimanche je ne vois pas mon appel, je la vois en présence. Et je vois qui va venir intervenir. Que quoi? Dis que mon pour mon, que mon pour mon, si dimanche si je ne vois pas ses affaires, il va t'envoyer en prison et il va voir qui va venir intervenir. Que je te dise ça fait dimanche, il connaît tous ses sacs. Et comme tu as voulu, et comme tu veux demander à mon que lui n'est plus de tête, tu as dû lui mettre son argent et ses sacs. Quel argent et quel sac? Il dit qu'il a des preuves qu'il t'a donné, il t'a fait des virements d'argent. Mais oui, il m'a fait les virements d'argent. On a un couple, il m'a fait les virements d'argent dans ce sens. Bah oui. On sortait ensemble, donc il me fait les virements d'argent. Ce qui dit qu'il va récupérer, qui est... À son nom, il va récupérer. Maintenant, les choses que j'ai achetées avec mon argent, je le dis et je le redis, je ne remets pas. On n'est pas au stade des menaces. On n'est pas au stade de ceci. Nathalie? Oui, on a été coupé. C'est lui qui m'a appelé comme ça, je l'ai coupé. Mais pourquoi pourquoi il t'envoie me donner les mêmes messages 7000 fois? Je ne comprends pas. Bon, il dit, là même, il vient encore de m'appeler, mais il dit qu'il ne te donne même plus de ça dimanche. Maintenant, il te donne que demain, il veut cette affaire. Ouais! il n'est plus au niveau de dimanche. Demain, il veut ses affaires. Et donc, je fasse quoi? Et puis, que si maintenant tu ne lui donnes pas ses affaires, tu vas maintenant comprendre ce qui se passe dans ta vie. D'accord, ok. Donc, il vient de me dire là que demain, il veut que quand j'arrive, il veut que je suis en position de faire affaire. D'accord, ça marche. Si je ne suis pas en position de faire affaire, que je lui sens que ce message pour lui dire, il aurait tout ça pour lui. D'accord, on fait comme ça. Ok. Dis-moi, je fais quoi? Mais tu fais quoi comment? Suis les instructions de ton boss, Kadji. Pourquoi tu me demandes ce que tu fais? Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu fais. Je viens pas chez toi en cambriolage. Je viens chez toi pour qu'on coopère ensemble.
oublie que parce que je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est pas fini. Oui. Allô? Oui, je suis là, Kadi. Voilà, je vais t'expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je vais venir avec les gens qui sont habilités à savoir ce que je récupère chez toi. Mm-hmm. Je venais pas les récupérer, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on devait faire la même couleur. Mm-hmm. De tout ce que j'ai récupéré chez toi. Mm-hmm. Pourquoi qu'on dirait que c'est moi qui avais pris et moi je suis parti avec. Uh-huh. Maintenant, il m'a dit, comme il voulait que tu donnes ta dimanche par la bonne foi, comme vous l'avez conclu. Bon, maintenant, comme vous êtes dans le cadre où je lui ai dit que tu as dit qu'il faut que vous limitez, chacun doit faire sa vie et tu ne veux plus que tu aies des pressions dans ta vie. Il dit donc maintenant que lui veut donc maintenant te laisser libre. Donc, ce que toi tu as fait à nouveau, c'est que il veut ses affaires samedi parce qu'il mérite de faire pas des plans pour récupérer. C'est que lui, il a acheté, il connaît tout ce qu'il a acheté, tout ce que ton agent a acheté, il connaît. Je suis donc en train de te dire que... Pour l'agent, il faut acheter des choses, tant mieux. Lui, il a des factures. Il t'a fait des virements d'argent et des lourdes sommes. Si tu veux vraiment qu'il te ça, il va te guérir et tu vas lui rembourser parce qu'il n'y a pas un délai, il n'y a pas dit de ce qu'il t'a donné. Il m'a fait les virements, il m'a fait les virements d'argent, les lourdes sommes. Ils sont avec moi, donc il doit m'envoyer l'argent. Je suis désolée. On sort ensemble depuis 7 ans. Donc il doit m'envoyer l'argent. Aux yeux de la loi, il n'a rien à dire. Donc maintenant, s'il veut prendre ça et jouer contre moi, comme il fait les menaces, les énièmes menaces, comme il fait que fait les menaces, bah qu'il le fasse. Je t'ai dit et je redis et je tridis encore. Kadi, écoute-moi d'abord. Quand tu parles, je t'écoute. Je t'ai dit dans le premier appel qu'on s'est passé. Je t'ai dit que Samuel demande qu'il veut les choses qui l'estime qui lui appartiennent. J'ai dit, les choses que Samuel estime qui lui appartiennent, c'est quoi? Lui-même m'a listé ce qu'il estime qui lui appartient. J'ai dit que d'accord, ce que tu estimes qui t'appartient, viens chez moi, on te les rend. Basta! Toi, maintenant, tu me rappelles, tu dis qu'il a dit que non seulement il veut ce qui lui appartient, mais il veut aussi ce que son agent a acheté. Bah, moi, je ne sais pas ce qu'il va te dire que son agent a acheté, hein. Maintenant, si tu dis qu'il a les factures et qu'il a tout, on va donc marcher comme Samuel veut qu'on marche. Si tu veux venir, si ce n'est plus dimanche et que c'est samedi, c'est parfait. Je suis à la maison demain, donc je vais peut-être aller me coiffer. Quand tu arrives, tout simplement, tu m'appelles, on se retrouve, je te remets le paquet. Bon, tu viens à la maison, hein, comme d'habitude. Tu prends le paquet que moi, Nathalie Koa, estime que c'est à Samuel. Je te remets ça. Tu prends, tu pars avec. Si lui, Samuel Eto, estime que ce n'est pas seulement ça que lui, il veut et qu'il veut plus autre chose, qu'il fasse agir la loi. Point final. Je n'ai plus rien à dire. On fait comme ça. Non, Kadi, s'il te plaît, les commentaires de tu blagues, là, c'est dépassé. Je ne suis plus à là, je ne veux plus blaguer. Donc, je suis en train de dire qu'on fait comme ça. Mais je sors avec un homme, je dors avec un homme. Cet homme prend l'argent, il me donne. Je ne sais pas si aux yeux de la loi, je dois lui rembourser cet argent. S'il veut donc monter les stratagèmes et prouver que je lui ai soutiré cet argent, bah qu'il le fasse. Kadi, merde, bon sang, je ne fais que dire la même chose. Qu'il fasse ce qu'il veut faire. Je ne donne que ce que j'estime qui lui appartient et j'ai envie de me débarrasser de toute cette merde. Tout ce qui est à moi va rester à moi parce que j'ai perdu 7 ans de ma vie dans une relation de merde. J'estime que ce que j'ai bâti en 7 ans, je dois le garder. Ce qu'il a bâti en 7 ans, il doit le garder. Maintenant, ce que lui veut récupérer, bah qu'il le récupère. On n'est plus ensemble. S'il veut, il a tous les pouvoirs du Cameroun et qu'il veut faire agir ses pouvoirs, qu'il le fasse. Ce que je donne, c'est ce qui vient de Samuel Eto. Sa Rolex qu'il a donné là et 2-3 babioles de merde qui ne servent à rien car ce n'est que du matériel et on meurt tous, on laisse ça. Le reste que je suis allé acheter moi-même, que ce soit l'argent de machin, que ce soit l'argent de XYZ, rien ne nous prouve que ça avait ces foutus 3 millions que j'ai acheté ça. Donc je dis, je répète que tout ce que vous estimez que Samuel Eto a acheté dans cette maison, prenez vos clics et vos claques, vous venez les chercher. Ce que je n'ai pas, ce qu'il n'a pas acheté, il va devoir me trancher la gorge pour récupérer ça. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Merci, bonne soirée.
Madame Kouah, bonjour. Bonjour, monsieur Sismondi. Vous allez dire la vérité aux Camerounais. Samuel Eto'o est aujourd'hui en quelque sorte pris comme votre victime parce qu'on estime que vous lui avez escroqué de l'argent. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais je voudrais commencer par quelque chose. Que vous avez voulu filmer une personnalité. Cette personnalité, vous la connaissez, c'est le directeur de cabinet. Comme vous le connaissez, comme tous les Camerounais le connaissent, je sais que le directeur de cabinet civil, mais personnellement, non, je ne connais pas cette personne. Je ne le connais pas personnellement, je ne le connais pas profondément, je ne le connais pas intimement, je ne le connais que de visu et de à travers les médias. L'avez-vous déjà rencontré un jour? Oui, dans le cadre de mon travail, en tant que passager, mais en dehors de ça, non. Samuel Eto'o dit que vous lui avez escroqué de l'argent et quand il est revenu de la Coupe du Monde, il a donné plus d'éclairage. Il dit que c'était de l'argent destiné à sa fondation et qu'il vous a transmis cet argent sous le motif de l'aide familiale. Est-ce que vous avez plus d'amples explications à donner aux Camerounais? Mais il se contredit. Il a donné l'argent pour la fondation, il a donné l'argent, le motif de la famille. C'est un peu contradictoire. Qui nous éclaircisse? Déjà, je ne fais pas partie de la fondation. Je ne suis pas du comité administratif. Mon nom n'apparaît nulle part dans la création ou dans la gestion de cette... Même ne serait-ce qu'en tant que balayeur, je ne fais pas partie de cette fondation. Alors, dire qu'il a donné de l'argent pour la fondation, c'est un peu... C'est mensonger. C'est des propos mensongers. Combien de temps vous avez passé avec Samuel Eto'o comme sa copine? J'ai commencé à sortir avec ce monsieur, j'avais 19 ans, j'entrais à peine dans la vingtaine. Donc j'étais mineure même encore à l'époque. Mineure de ce fait naïve, insouciante, influençable. Et jusqu'à il y a de cela quelques mois. Donc aujourd'hui j'ai 27 ans. Vous imaginez la relation, donc ça fait exactement 7 ans que nous avons été ensemble. Elle est terminée aujourd'hui, cette relation. C'est lui qui vous a trouvé du travail à Cameroun? On ne va pas dire que c'est lui qui m'a trouvé du travail, je ne pense pas, parce que si je n'avais pas eu un peu de la matière dans mon cerveau, je ne serais pas en train de travailler. Donc je préfère ne pas dire que c'est lui, je préfère dire que c'est Dieu. Vous avez fait des études universitaires? Les études universitaires, je vais vous avouer, non, pas les études universitaires. J'ai multiplié les formations parce que moi, après ma terminale, oui, je me suis un peu perdue. Pas perdue dans le sens où je suis tombée dans la débandade, mais j'ai perdu de vue c'était quoi mes motivations, à quoi j'aspirais, qu'est-ce que je voulais faire. Alors j'ai commencé, et puis j'étais avec lui, donc j'ai commencé à voyager. Je me suis laissée engrainer dans cette vie-là, des voyages, la fête, de toutes sortes. Hein, de toutes sortes. Quand je dis de toutes sortes, c'est de toutes sortes. Donc après, malheureusement, je me suis ressaisie. C'est la raison pour laquelle je souhaitais revenir au Cameroun et travailler à la compagnie aérienne qui m'a très gentiment recrutée. Je sais aussi que c'est un privilège hein, de trouver du travail au Cameroun, tellement c'est rare. Donc je travaille depuis, j'ai commencé à travailler en 2011 et jusqu'à nos jours, j'y suis toujours. J'ai commencé en tant qu'hôtesse VIP. Après, au bout d'un an et demi, je suis passée Customer Service Agent à l'aéroport. Donc hôtesse VIP, c'est à l'aéroport, maintenant je suis Customer Service Agent, c'est-à-dire je m'occupe de la gestion d'un vol de bout en bout, c'est-à-dire de l'enregistrement des passagers au départ de l'avion, donc de la gestion totale du vol, avec mes collègues, de la sûreté, voilà. Saviez-vous que Samuel Eto'o était marié? Non, il n'est pas marié, d'après ce qu'il dit. D'après ce qu'il dit, il n'est pas marié. D'ailleurs, il m'a encore récemment, quand j'étais chez lui à Londres, il n'y avait pas de photo d'une femme accrochée au mur. Il m'a fait comprendre depuis 3 ans, il ne vit pas avec elle, qu'il n'est engagé nulle part. Et c'est vrai, avant, il pensait vraiment être engagé avec cette femme, mais que depuis 3 ans, depuis qu'il est allé à Majorque, il ne vit pas avec elle. Et son avenir avec elle n'est pas compromis, mais est tout autant fou que son avenir avec moi. Alors, et pourquoi vous n'avez pas cherché à l'épouser, Samuel? Pourquoi vous n'avez pas cherché à aller plus loin qu'une relation copain-copine? Parce que j'ai trouvé gros. D'abord, je ne l'ai jamais voulu. Hein. Sincèrement, je ne l'ai jamais voulu. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas quelqu'un qui, lors de ses relations, ce n'est pas comme s'il fait très attention à se protéger. Donc, si j'avais voulu avoir un enfant, je l'aurais déjà fait. Si j'avais voulu plus que ça, je l'aurais déjà fait. Je ne l'ai pas venu tout simplement. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis d'une famille issue de 4 enfants. Ma mère est restée veuve. Elle est restée veuve et n'étant pas mariée avec mon père,
quand il est parti, le partage des biens était un peu ce qui fait qu'on s'est retrouvé de passer d'une vie assez modeste à la pauvreté. Je m'en plains pas, hein, ça m'a enrichi, mais on s'est retrouvé à passer de là. Donc moi j'ai pour principe de ne pas je peux pas transcender ces principes là. Pour moi c'est mariage et après enfant. Maintenant si je suis dans une relation dans laquelle un homme il avait d'abord une femme avant ou bien des compagnes avant, il n'a jamais épousé, moi je vois pas pourquoi je vais venir espérer un mariage. Donc dans mes années de jeunesse c'était pas ma priorité. Je voulais juste vivre et me laisser vivre. Donc c'est que aujourd'hui mes points d'intérêt ont changé. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir de cette relation là. Est-ce que vous avez une responsabilité officielle dans la fondation de Samuel Eto'o? Ah non, hein? Aucune responsabilité. Vous avez une fonction officielle? Non, même pas. Même pas en tant que quoi? Alors, en tant que quoi avez-vous perçu l'argent? Il dit que vous avez reçu de l'argent pour la fondation. En tant que quoi deviez-vous percevoir cet argent? Mais il dit. Il est libre de dire ce qu'il veut. Maintenant, moi, je dis que je n'ai pas perçu cet argent. Il faut le prouver. Qu'il prouve que j'ai pris ces 279 millions-là. Et en tant que quoi, je les ai pris? Moi, je ne les ai pas pris, ces 270. Je ne le connais même pas. Excusez-moi. Il veut même m'enrichir, en fait, pour rien, parce que je ne pense même pas avoir déjà eu ce genre de somme dans mon compte. Cumuler tout, je ne pense pas. Il veut m'enrichir. J'ai pas 279 millions. Encore moins, je ne les lui ai pas pris. Nathalie, quoi, on a vu vos photos de nu sur Internet. Qui a filmé ces photos? Il y en a où vous vous filmez vous-même, mais qui a filmé les autres? Vous savez, j'ai décrit point par point chacune des photos que moi j'ai reçues. Hein. J'ai reçu une photo où j'ai complètement les jambes en l'air, où on voit très bien que c'est pas moi qui peux filmer, qui peut prendre. J'ai reçu quelques selfies que j'avais pris moi-même. Et j'ai reçu un montage un peu que je trouve puéril d'associer la compagnie aérienne à ce genre de bassesse. La photo, certaines photos, c'est moi qui les ai prises et que j'ai envoyées à mon copain. Ce qui est normal. C'est pour pimenter la relation, c'est pour garder maintenir la flamme, c'est pour partager l'intimité, surtout que la relation, elle est une relation à distance. Maintenant, les fois où j'ai été là-bas, lui aussi, il a fait des photos, il a fait des vidéos même de moi. Vous dites que Samuel Eto'o détient des vidéos de vous nus? Oui, il détient des vidéos de moi nus, il détient des vidéos de moi dans tous les différents débats sexuels que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que il y a des vidéos où vous faites l'amour avec Samuel Eto'o. Je ne pense pas qu'il y a les vidéos parce que on peut pas, il peut pas. Aussi loin que je me souvienne, hein, il a pas mis de caméra. Et pour qu'il y ait quelqu'un qui nous kiss, pour qu'il y ait vidéo, il faut que l'un de nous filme. Il y a plus des vidéos soit que lui il a faites de moi, ou des vidéos que moi j'ai faites de lui. Mais des vidéos où on apparaît tous les deux, il aurait fallu qu'il y ait une troisième personne. Et cette troisième personne, ça ne peut pas être moi, ça peut être lui. Donc il faudra demander à la troisième personne. Alors, vous dites qu'il y a des photos que vous n'avez pas pu filmer de vous-même, des photos que vous avez envoyées à votre copain. Ces photos que vous avez envoyées à votre copain, se sont-elles retrouvées sur Internet parmi les photos que nous connaissons? Oui. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis couchée allongée sur un lit. J'ai des pieds complètement écartés. Je suis en train de me toucher. Mais cette photo, en réalité, c'est même pas une photo. Hein. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Il a prise à Londres, à l'hôtel Samuel Eto'o. Il a pris à Londres, à l'hôtel Brands, hôtel Roccoforte, à Mayfair, pas loin de chez lui. Un matin, alors qu'il allait en stage avec son équipe de Chelsea. Donc, il est venu. Il était en plus ou moins en train de se plaindre d'abord de son manager qui avait plaisanté un peu sur son âge. Il n'avait pas apprécié. Et il m'a dit, voilà, essaye de me remonter le moral avec une bonne vidéo que je vais pouvoir regarder en club, en stage. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces vidéos étaient faites. Et là, vous n'aviez pas encore des problèmes. Ça veut dire que c'est récent parce que lorsque le coach de Chelsea en parle, c'était il n'y a pas plusieurs mois, c'était environ il y a 3 mois environ. Vous n'avez pas encore de problème? On s'est séparés. La dernière séparation, la rupture complète, c'était le mois dernier.
la rupture vraiment complète et totale. C'était le mois dernier. Mais on avait une première fois rompu. J'en ai eu marre du chantage. J'en ai eu marre des conditions dans lesquelles il fallait maintenir la relation. J'en ai eu marre des menaces. Parce que il y a ce côté de lui où il semble regretter les actes qu'il peut poser, c'est-à-dire la violence, les menaces. Et il y a un autre côté de lui qui est tellement doux qu'on a envie de l'encadrer, qu'on a envie de sauver la relation, parce qu'on se dit dans tous les couples ou bien dans toutes les relations, il y a des problèmes. Donc ok, peut-être je vais essayer de faire ça pour maintenir la flamme, mais voilà. Donc c'est un peu ça. Dans une interview que vous avez accordée à un collègue, vous dites qu'il plaçait son pied sur votre cou en parlant au téléphone à votre maman. Vous confirmez ça? Je confirme. Il sait très bien dans quelles circonstances ça s'est passé. C'était en décembre 2013 à l'hôtel Mayfair. L'hôtel s'appelle The Mayfair à Londres, à Mayfair. Il venait à peine de me soupçonner encore une fois d'une énième relation. En fait, pour être plus précise, il avait soupçonné que j'avais une relation avec l'artiste Fally Ipupa, d'ailleurs que je connais depuis beaucoup plus longtemps que lui. Il a soupçonné ça et bon, moi je me suis dit qu'il a soupçonné, mais il n'avait pas que soupçonné, parce que je vais vous dire, un peu plus tôt, il m'avait fait sous un faux prétexte interpellé chez moi par son ami Serge Sommet, qui m'avait amené au CED, et là-bas on a réquisitionné mes téléphones. Je ne sais pas si c'est le CED ou si c'est le GEPIC, je me souviens plus très bien, mais c'est une gendarmerie vers le lac. On a réquisitionné mes téléphones pour besoin d'enquête, soi-disant, à propos des photos de Samuel qui auraient soi-disant été publiées sur une page Facebook. Alors, les téléphones, on me les a pris. Et deux jours après, quand Samuel m'appelle, il me fait le récit exact. Il est à Londres, hein, je tiens à le souligner. Il me fait le récit exact de ce qu'il y a dans mes téléphones. Il lit mes conversations avec mon ami Fally et il s'accroche dessus. C'est pour ça qu'il me demande de partir à Londres. Et sinon, lorsque je suis à Londres là-bas, le premier jour quand il arrive, il me fait asseoir sur... D'abord, il me brutalise. Ensuite, il me fait asseoir sur... Il me brutalise, il me frappe, il me pousse contre la porte des toilettes pour me dire que je l'ai déçu. Vraiment, je l'ai déçu. Comment je pouvais être avec Fally, il a des preuves. Je lui dis, mais quelles sont ces preuves? Tu n'as aucune preuve. Il dit, non, vous êtes en conversation. Je lui dis, mais oui, ça, mais tu sais que c'est mon ami, tu le sais depuis des années. Il me dit, non, tu es avec lui et je vais t'interdire de nier. Parce que plus tu vas nier, plus je vais te frapper. Parce qu'il est temps que tu me dises la vérité. C'est à ce moment qu'il me dit, tu vas t'asseoir là et tu vas filmer, je vais filmer tes confessions. Assieds-toi là. Je lui dis, Samuel, je ne peux pas faire ça. Tu peux me forcer à avouer une relation qui n'est pas. Il me dit, non, tu vas avouer. Parce que toi, tu nies, mais cette fois tu vas avouer. Alors je m'assois sur le lit, il s'assoit un peu plus loin, il prend son iPad, il filme. Je suis sûr qu'il a cette vidéo là, il l'a encore gardée, il prend son iPad, il vide, où je suis en train de soi-disant faire mes confessions pour Fally. Oui, dans cette vidéo, je lui ai même dit, pour qu'il me laisse, parce qu'il avait déjà commencé à me frapper. Je lui ai dit, oui, je suis sorti avec Fally, oui, j'ai raconté ceci, oui, j'ai raconté ceci, 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 ceci. Mais je vais vous dire que j'ai été menacé, froissé, torturé, je l'ai dit. Je suis très abattue. Je n'ai pas très bien le souvenir de comment je me sentais. J'étais sur la vidéo, mais il fallait que je paraisse le plus crédible possible, selon lui. C'était le seul moyen par lequel il allait me pardonner. Et là, tu lui as dit que tu sortais avec Fally Ipupa. Oui, là, je le lui ai dit. Je vais vous dire, intérieurement, je le lui ai dit aussi. C'était une petite claque que je voulais lui donner. Je lui ai dit parce que cet homme, c'est drôle qu'un homme aussi qui a des fréquentations féminines aussi nombreuses se permettent d'être jaloux parce que vous fréquentez ou soi-disant vous fréquentez une autre personne. Donc je voulais, quand il m'a forcé et me dit, voilà, avoue que tu étais avec Fally, une petite voix dans ma tête m'a dit, Nathalie, avoue-le et prends du plaisir en la voyant. On voulait et regarde comment il se décompose. Alors je lui ai dit, oui, j'ai été avec Fally, oui, ceci, oui, on s'est vu, oui, ceci. Mais honnêtement, je vous dis, là, je n'ai pas été avec Fally, c'est mon ami, c'est un homme qui a une femme, qui a des enfants, de charmants enfants. C'est un homme loyal, c'est un homme qui est intègre et honnête, qui a d'ailleurs fait confiance à Samuel à plusieurs reprises, qui a été lui aussi déçu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, et il aura l'occasion de... Pourquoi il demande d'aller filmer Monsieur Bellinga? Je vais vous dire ça, plusieurs volets. Lors, comment je rencontre le décès dans le cadre du travail, comme je vous dis, ce n'est que dans le cadre du travail que je connais ce monsieur, qui prenait, le gouvernement prenait un vol une fois pour Garoua.
Donc après ma mission à Garoua, je suis revenue lui dire que voilà, ça s'est très bien passé. Il m'a demandé de lui raconter, hein, comme vous pouvez raconter à tout le monde, à votre femme, comment a été votre journée. Je lui dis oui, il me dit quelles sont les personnalités qui étaient là-bas. Je lui dis tel était là, tel était là, tel était là, tel était là. Et voilà quoi. Après il me dit... il faut que je te souligne un truc, tu es le genre de femme du DCC. Je lui dis, ah non, ce monsieur, je ne sais même pas si je me place devant lui, il va me reconnaître. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un monsieur vraiment très, très posé, très respectueux, très avenant et qui m'a félicité plus tard sur le travail que j'avais accompli. Donc, il est une insulte, c'est insultant de dire aujourd'hui, c'est tellement insultant de prétendre que j'ai une relation avec ce monsieur. Mais bon, vous savez, quand lui il a une idée derrière la tête, hein, il est obstiné. Je n'ai pas compris pourquoi il voulait absolument que me faire intégrer dans la tête que je pourrais plaire à ce monsieur. C'est plus tard, lorsqu'il m'a dit, il a eu beaucoup de problèmes avec deux, trois entreprises qu'il a voulu mettre sur pied ici au Cameroun. Il m'a dit, le gouvernement camerounais me sabote. Le gouvernement camerounais ne fait avancer aucun de mes projets, ne permet qu'aucun de mes projets avance. Et je sais qu'il est derrière tout ça, parce que moi, le chef de l'État, c'est mon papa. Mais la personne qui ne me porte pas dans son cœur à la présidence, c'est le directeur du cabinet. Et pourquoi ? Je n'en sais rien. Pour lui, c'est soi-disant, c'est cette personne qui ne fait pas avancer, qui bloque l'avancement, l'avancée de ses projets. À la présidence. À la présidence. Au Cameroun. D'après lui, moi je ne peux pas vous dire avec exactitude pourquoi il en veut. S'il en veut à ce monsieur ou pas. Mais d'après ce qu'il dit, ses projets avanceraient nettement mieux si ce monsieur n'était plus à la présidence. C'est ce qu'il m'a dit. On a entendu dire sur les réseaux sociaux que vous aviez des pratiques sexuelles extravagantes. On se demande, c'est vous ou Samuel Eto'o qui l'exigiez ? Ce n'est pas moi qui l'ai exigé. Vous savez, nous les femmes, lorsqu'on est dans on aime bien faire plaisir à nos hommes et vice-versa. Donc en évoluant dans la relation, je tiens d'abord à souligner déjà que les premières années de la relation, c'est-à-dire les trois premières années à peu près, ou les deux premières années, il n'était pas question, il n'a pas fait ressortir ses vices, il n'a pas fait ressortir ses fantasmes. Mais au bout de quelques années, son côté... le côté vicieux l'a pris le dessus. Alors, qu'est-ce que cet homme aime ? Cet homme aime les partouzes. C'est-à-dire des relations avec plusieurs femmes à la fois. Relations avec plusieurs femmes à la fois, des relations avec plusieurs hommes à la fois. Cet homme aime Il aime bien... Dans les partouzes, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes. Il y a un homme, lui, une femme, moi, et un autre homme, soit un de ses... Généralement, un de ses amis. Voilà, il y a déjà eu ça. D'ailleurs, il a balancé une photo dans ce sens-là récemment sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres partout où il y a lui, moi et une autre de ses copines. Ça, on va taire le nom parce qu'il n'est pas question d'impliquer cette personne. Elle n'a rien à y voir. Mais plusieurs fois, il l'a déjà fait. Je sais qu'il y en a, il y a d'autres filles aussi qui l'ont fait. Mais vous savez, par pudeur, elles n'avoueront jamais. Moi, je suis obligée aujourd'hui de l'avouer parce que c'est le seul moyen par lequel il faut que je sorte complètement et que je me lave complètement de cette relation. Est-ce que j'étais consentante ? À des moments, non. À des moments, sous la contrainte, oui, parce que j'ai eu peur de que ce monsieur ne déroule son rouleau compresseur. Parce que vous savez, il est très puissant. Vous faire lever du boulot, vous réduire à néant, tellement d'exemples il prend. Oh, tu vois, tel ministre est en prison, c'est parce qu'il m'avait embêté. Oh, tu vois, tel entraîneur, il n'est plus dans l'équipe nationale, c'est parce qu'il m'avait embêté. Donc, oui. Donc, toi, qui n'est qu'une petite, un petit membre, si tu ne veux pas faire ce que je veux, moi, j'aime ça. J'aime ça, c'est ce que j'aime. Je tiens à toi et il faut que tu le fasses pour moi. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, je considère que c'est parce que tu ne tiens pas à moi. Et la personne qui ne tient pas à moi est contre moi. Et qui est contre moi... Quand il parlait du ministre qui est en prison parce qu'il l'a embêté, il parle de qui ? De Yahya Mohamed ? Non, lui, il n'était pas ministre.
parler qui? Je ne veux pas évoquer. Voilà, je ne veux pas évoquer les noms de ces personnalités là. Il sait de qui il parle. D'accord. Il va falloir qu'il aille leur dire ça. Il sait de qui il parle. Voilà. Je suis toujours menacée à l'heure actuelle de la diffusion de mes photos et de mes vidéos. Je tiens juste à souligner que ces photos et ces vidéos, il ne s'agit aucunement d'un membre du gouvernement. Voilà. Aucunement, en aucun cas, il ne s'agit d'un membre du gouvernement. Que Samuel n'essaye pas de manipuler encore une fois l'opinion. Qu'il explique aux gens exclusivement et dans les détails dans quelles conditions ces vidéos ont été prises, avec qui elles ont été prises. Et pourquoi il les a. Si ce sont les photos des, si ce sont les vidéos des membres du gouvernement, comment ils ont fait pour se retrouver entre ses mains. Très bien. Donc c'est juste complètement faux. Est-ce qu'il vous est possible, Nathalie, de prouver que certaines photos de vous ont été prises par Samuel Eto'o? Bien sûr. Bien sûr, vous savez, heureusement que ce sont des photos qui peut-être prennent de son téléphone. Oui. Aujourd'hui, l'enquête, heureusement, est très avancée au niveau de l'Europe, aussi à Londres, au point où ils nous ont même fourni les enregistrements de l'hôtel, là, les couloirs. Vous savez, quand vous entrez à l'hôtel, vous êtes filmé. Quand vous entrez, voilà. Il y a des fois, on a vu Samuel entrer avec son ami, un de ses amis dans ma chambre plusieurs fois. Donc, ils peuvent témoigner. L'hôtel nous a fourni, pour des besoins d'enquête, l'hôtel a déjà fourni ces preuves-là. Aussi, toutes les factures de mes hôtels dans différents pays. Aussi des situations où j'ai été à côté de lui et où je peux vous relater, peut-être il s'adressait à une personne au téléphone et que je peux vous relater exactement ce qu'il disait à la personne. D'ailleurs, récemment à Paris, on était dans la voiture, son épouse a appelé, hein. Son épouse a appelé, bon, enfin, celle qui, la mère de ses enfants, voilà, elle a appelé et il était très agacé. Il me disait, il faut que je décroche, vraiment, il faut que je décroche, s'il te plaît. Et genre, essaye d'écouter. Elle a appelé, elle lui a demandé où est-ce qu'il était. C'était le 10 mai à Paris. Il a dit qu'il est à Londres, qu'il a dîné avec un membre du staff de Chelsea, je ne me souviens plus très bien de son nom, Kevin Campello, qu'il a dîné avec Kevin Campello. Or, lui et moi, on sortait d'un dîner à Paris, à l'atelier, au restaurant L'Atelier. Donc, il ne pouvait pas être et à Paris et à Londres. À un moment, il lui a parlé de sa fille, de leur fille, qui était malade, qui avait une fille qui était malade, qu'elle devait amener à l'hôpital. Et elle aussi, elle avait mal aux yeux. Et donc, ce genre de situation, en fait, qui démontre que ce monsieur, il n'est pas... Il a délaissé complètement. Voilà. Donc, après ça, je lui ai dit, bon, je lui ai demandé dans la voiture, mais pourquoi, si tu dis que tu ne vis plus avec elle et que tu, machin, pourquoi? Il me dit, tu as bien entendu qu'elle m'appelle juste pour parler des enfants. Oui. Je lui ai dit, je vais la rappeler quand je vais arriver, je vais la rappeler plus tard. Voilà. Vous êtes sûr d'avoir dit toute la vérité à la jeunesse ou à l'opinion publique aujourd'hui, là, sur cette affaire? Toute la vérité, non, parce qu'il y a des choses qui vont me revenir au fur et à mesure. Mais globalement, c'est ça. Cet homme, nos problèmes, pas du fait qu'il exigeait que je fasse des photos avec certaines personnes. Je lui ai demandé, et que je ne voulais pas. Et comme je ne veux pas, il craint que, comme je ne veux pas que j'aille vers cette personne, leur dévoiler ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il peut faire tout faire pour m'anéantir, pour que je ferme la bouche et que je ne parle pas. D'où la première, les publications de mes photos. Il fallait que ça m'achève. Heureusement, ça ne m'a pas achevé. Je sais qu'ils m'ont dit, parce qu'ils m'ont fait dire que si j'ouvre encore la bouche pour parler, ils allaient publier d'autres photos. Qui les publie? Après, qu'il explique dans quel contexte elles ont été prises. Nathalie, encore une chose? Pour l'instant, non. Les gens qui diffusent ces photos devaient faire attention parce qu'il y a parmi des gens qui ont reçu des photos des enfants de moins de 16 ans, de moins de 18 ans, des mineurs qui ne devraient pas vraiment avoir affaire à ça. C'est pour ça que je dis, c'est tellement fou, après une mésentente, de prendre les photos d'une femme et de le faire. Moi, je ne le ferai jamais. C'est vrai que je me suis laissée embourber dans cette relation malsaine. Je ne le ferai
mourrai pas, il me reste quand même des zestes de valeur. C'est pour ça que j'ai même les photos avec certaines personnalités et autres. Je lui ai dit que d'abord, je ne le peux pas parce que je ne les connais pas, ces gens. Il m'a dit, tu travailles à l'aéroport, donc il faut trouver un moyen d'être en contact avec ces personnes. Parce qu'il faut que j'ai sur chacune de ces personnes un moyen de pression. Parce qu'il aime bien. Voilà. Nathalie, merci d'être venue. Je vous en prie. Au terme de ce témoignage de mademoiselle Hélène Koua, permettez-moi de dire aux uns aux autres que ces deux jeunes gens font partie de la jeunesse camerounaise. Ces deux jeunes qui ont des soucis, des problèmes. Et il ne revient pas à l'opinion publique de les envenimer. Nous devons les aider à régler leurs problèmes. Aussi, nous nous sommes permis de censurer certaines conversations téléphoniques que nous avons jugées dures. Parce que nous espérons que Samuel Eto'o revienne à de bons sentiments, retire sa plainte et essaye de résoudre le problème autrement. Cette jeune fille est aussi l'enfant d'autrui et elle a été atteinte dans sa dignité de femme. Elle a été atteinte dans sa personnalité. Personne n'a le droit d'humilier un être humain. Se voir affiché sur les réseaux sociaux nu, les jambes écartées, le sexe en l'air, ne fait rire personne. Ça ne fait rire personne. Et celui qui a fait ça est un criminel. C'est un criminel. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Some things we don't talk about. Rather do without and just hold the smile. Falling in and out of love, ashamed and proud of, together all the while.